Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Merci de votre fidélité. C'est lundi, nous sommes 7 août 2023, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue. C'est matin avec Espoir Moïnouka, donc qui n'est plus à présenter. Espoir, bonjour et bonne arrivée. Bonjour à monsieur les journalistes, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Vous allez bien ce matin? Oui, nous sommes en bonne forme. Et quelles sont les nouvelles à Goma? À Goma, c'est un peu stable. Calme. Il n'y a pas eu, ça fait des semaines que nous n'avions pas entendu. D'accord, alors. Des bruits de bottes. Oui. Et quand même, ça va. D'accord, espoir. On va parler d'abord. Les sujets principaux, je l'annonce, c'est par rapport aux affrontements d'hier. Et les attaques, en tout cas, d'M23 contre les civils. On nous parle de plus de 10 personnes tuées. On va revenir sur ce sujet principal ce matin. Mais avant qu'on parle un peu de la clôture du 9e. Voilà, 9e jet de la francophonie qui s'est tenu à Kinshasa. 10 jours d'ambiance, musique, sport, tout, culture. On a vécu en tout cas un moment fort à Kinshasa. Espoir est mort. Quand même, félicitations à nos artistes qui se sont produits sur notre podium. Les artistes et les athlètes également. Et félicitations aux athlètes, félicitations aux lauréats, félicitations aussi à l'équipe technique. Excusez. Félicitations aussi à la République qui a su organiser ce 9e jeu de la francophonie. Plusieurs personnes ne croyaient pas ça. Contesté, plusieurs pays aussi. Hein. Contesté par plusieurs pays, contesté aussi par certaines personnes d'ici de la République, mais quand même au finish, on y est arrivé. Je vis même certains médias qui ont écrit 9e jeu de l'impossible. Mais quand même, on l'a rendu possible. D'accord. On félicite surtout aussi la police qui a montré quand même son niveau du professionnalisme. On félicite aussi l'armée, dont j'ai vu même parmi les gens qui sécurisaient Maître Gims, il y a même des collègues avec qui on était ici à l'Unigom. Mm-hmm. Quand même, on félicite leur professionnalisme. Mm-hmm. Et je crois que le professionnalisme de la police et de l'armée doivent s'élargir sur le territoire national. D'accord. Ici à Goma, nous sommes vers la disparition du phénomène 40 voleurs, quand même ça baisse. Et pourquoi ne pas féliciter les autorités pour ça? Maître Gims, Ferregola hier et avant-hier, en tout cas, ils ont mis du feu. On a vu d'ailleurs Ferregola qui a fait des chansons pour, en tout cas, rendre hommage, une chanson qui trace la situation de l'Est du Congo, en tout cas, un message fort a été lancé par celui qu'on appelle le Padre Lavoie. Aujourd'hui, on l'appelle le Roi 24. En tout cas, ça a été super. Un mot pour ces artistes, donc tous les artistes en général. Moi, j'ai toujours soutenu la position de nos artistes qui n'ont jamais passé au dos de la cuillère pour dénoncer l'agression rwandaise. Et c'est quelque chose que nous devons tous nous approprier. Okay. Mais aussi, moi je ne suis pas dans l'air polémique, hein. C'est là qui s'appelle... Non, on ne parle pas polémique, on parle, si on écoute juste les messages, quand le message a été ferme. Oui. Et sincère. Mm-hmm. Et nous voulons, je crois que même notre petit arrogant devrait aussi faire passer le message de... Ah, vous dites petit arrogant, c'est qui? Notre fils du Nord qui vous... Ah, je n'ai pas dit non ça. Mais il n'était pas invité. Hein? Non, je vous dis, on ne blague pas avec la République. Vous pouvez blaguer avec les seins de ma mère, avec quoi, mais pas avec la République. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, vous savez, les propos qu'il avait tenus contre la République. Et voilà, aujourd'hui, normalement, il devrait aussi être invité. Mais lorsque les Congolais se rappellent de ce qu'il avait dit contre le pays, quand même, ça causait qu'à ce que l'enfant ne soit pas invité. Mais je crois qu'à la prochaine occasion, comme l'enfant continue à présenter les excuses, il sera invité. D'accord. Mmh. On va en tout cas, on va finir par cette image... qui fait polémique, c'est comme si c'est une image qui vient du cas de l'opposition. Bon, parce que moi j'ai vu l'image sur les comptes des opposants de certains militants
de la lutte RDC. L'image espoir, ça vous dit quoi? Regarde un peu l'image et puis je vais vous lire la légende qui est là. L'image, elle est là. Ça fait polémique, on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'on voit une ancienne photo de Mobutu. De Mobutu et la photo de la francophonie du président Tshisekedi. Et puis l'opposition écrit en tout cas Félix Tshisekedi dit sur les pas de Mobutu. Donc, en fait, ne confondez pas aussi les choses. Mm-hmm. Être militant de la lutte ne fait pas de la lutte RDC ne fait pas quelqu'un de l'opposition. Non, exactement. Vous devez bien comprendre. À part le fait que vous soyez militant, mais vous avez votre propre position. Le mouvement est apolitique, mais les individus ne sont pas apolitiques. Mm-hmm. Moi, je suis apolitique puisque c'est ma nature. Mm-hmm. Voyez-vous, c'est ma nature. J'aime mais toujours jouer. Tshisekedi, s'il n'est pas de Mobutu, vous savez, c'est lui qui a fait ça, c'est un individu. Mm-hmm. C'est un individu. C'est pas et on ne peut pas faire coller ça à l'organisation. C'est un individu. Et c'est vous devez. Moi, je ne dis pas que Tshisekedi est sur les pas de Mobutu, mais s'il peut être sur les pas de Mobutu sur de bonnes choses, puisque Mobutu, il n'avait pas fait seulement la dictature, mais il a essayé aussi d'imposer la paix en RDC, voyez-vous. Si Tshisekedi peut être sur les pas de Mobutu pour imposer la paix, tant mieux. Mais hein? On parle des photos qu'on l'a affichées partout au podium. On a chanté de lui, la famille. Vous savez, lorsque Ferrego l'a chanté de Motema Motema ya Fati, c'est il y a quelque chose comme ça. Mmh. Alors, en quoi c'est la population qui a chanté? Mais c'est une star qui a chanté. Comme on peut chanter pour M. Aspirine que je suis. C'est une star qui a chanté. Et moi, je ne peux pas dire que c'est la dictature. Okay. Quand ces gens chantent, les Jeff Nja dit les têtes. Je vis Wani à l'époque chanter pour la lutte ici. Est-ce que ça veut dire que, ça, que c'est la dictature? Je vois, on chante pour la Bédachou. Du fait, pour moi, d'être président, ne peut pas m'épargner de jouir. C'est tout à fait normal. Exactement. C'est tout à fait normal. Non. La jouissance n'est pas dans le sens dont les parlent certains opposants, comme vous l'avez dit, ou bien certains individus, ou bien les messages qu'il nous faut consommer, que non, c'est la jouissance. Non, vous savez, en droit, qu'est-ce qu'on appelle jouissance? Bon, peut-être pour ne pas aller dans leur débat, puisque moi, je ne préfère pas faire... le débat de la rue avec eux. Moi, je crois que tous nous avons droit quand même de jouir. Mais la manière dont je dois jouir, ce n'est pas la manière dont doit jouir un chef de l'État. Et les gens confondent les choses. Lorsqu'on affiche une photo, on dit non, mais il faut les rendre aussi ses honneurs. C'est tout à fait normal. Non, je ne suis pas dans cette logique. Toute autorité vient de Dieu. Non, il faut bosser puisque si toute autorité vient de Dieu, ça veut dire que Dieu aussi a échoué quelque part. Puisqu'on ne peut pas accepter que nous ayons toujours des faibles et des faiblards. Les députés faibles. Et puis les gens, ils vont dire que non, toute autorité vient de Dieu. Non. Nous devons bosser et Dieu doit nous aider pour que nous ayons des personnes dignes et dignes. Merci. Si on était à l'époque de Kabila, est-ce que vous allez me dire qu'on ne pouvait pas afficher les photos de Kabila? On pouvait les faire. Si on était à l'époque de tel, de Katumbi, est-ce qu'on ne pouvait pas les faire? On pouvait les faire. C'est que les gens doivent éviter. Mais l'opposition a parlé. Si c'est Fayoulou qui était au pouvoir, on devrait toujours les faire. D'ailleurs, pour lui, on pouvait afficher même Sidé. Motema Fati, les artistes aussi. D'accord. Merci, mesdames et messieurs. Vous nous regardez, vous nous suivez. C'est Congo Live TV. Merci de votre fidélité. Nous sommes le lundi 7 août 2023, mesdames et messieurs. Espoir Mouinouka, militant de la lutte RDC Afrique, activiste des droits humains. C'est ça, n'est-ce pas, Mouinouka? Exactement. Merci beaucoup. 11 personnes ont été tuées à la suite d'affrontements entre les rebelles du M23 et les groupes d'autodéfense. Dimanche, dans les villages Marangara, dans le territoire de Rutshuru. On a aussi enregistré plusieurs blessés, des maisons incendiées et des biens détruits. Plusieurs sources locales affirment que les rebelles du M23 ont attaqué les groupes d'autodéfense dans les villages avant de commettre les tueries sur ces populations civiles. Et cette attaque est intervenue entre 3h et 6h du matin. Ce qui fait mal, c'est de ça, voir c'est la que... C'est de la radio au Capi. Exactement. Ce qui fait mal, parmi les morts, il y a eu 4 femmes, il y a eu 3 enfants, si je ne m'abuse comme ça.
Moi, je me demande, quand ces terroristes rwandais s'apprennent aux femmes, aux enfants, les enfants innocents qui ne font absolument rien, un enfant qui n'est pas en mesure même de manipuler l'arme, mais ces terroristes viennent et les décapitulent comme ça, ils incendient même leur maison. Et puis demain, quand l'armée, puisque attendez, les chefs de la francophonie sont finis, quand l'armée va prendre des mesures, vous allez suivre les gens dire non, les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme. Or, en principe, quand moi je parle des droits de l'homme, je n'épargne même pas les enfants et les femmes. Je n'épargne même pas ces jeunes d'autodéfense, voyez-vous. C'est que nous autres, nous demandons à la République de bien faire son travail aussi, puisque trop, c'est trop. Nous avions longtemps entendu les cessez-le-feu nous imposer par les partenaires de l'EAC, les pays membres de l'EAC et leurs patrons de l'extérieur. Mais on ne peut pas accepter que nous puissions être toujours des victimes sur notre propre sol. C'est révoltant d'avoir, quand nous avions vu les images, de ces enfants, de ces fillettes qu'ils ont décapitulées inutilement. Voyez-vous, je crois que tout ça, ce sont des signes de provocation. Les Rwandais cherche la guerre à tout prix, mais attention, ils vont en avoir. Ils vont en avoir et justice sera faite. Que les années passent ou pas, justice sera faite. Les sangs de nos compatriotes ne vont pas partir inutilement. Mais aussi nous demandons, est-ce que la plupart de nos autorités, est-ce qu'ils lisent? Est-ce qu'ils sentent ce que nous sentons, nous, les citoyens de l'Est? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils ont les mêmes soucis que nous avons, nous qui voyons comment est-ce que nos petites sœurs, nos mamans sont décapitulées comme ça? Les mamans sont décapitulées comme ça. Okay. Dans une déclaration, le mouvement citoyen La Vision pour la Victoire du Peuple note que les victimes sont des civils qui n'ont aucun lien avec les hostilités. Ouais. C'est regrettable. Quand vous suivez les gens dans leur village en disant que vous cherchez les jeunes d'autodéfense, quand vous les manquez, vous tirez sur les civils, même les enfants. Mais ils ne respectent même pas les droits de guerre, puisqu'il y a les droits de guerre. Ils ne respectent même pas ça. Et c'est pourquoi moi je dis, quand on traque un terroriste, il faut réfléchir comme un terroriste. Non, nous, c'est la République quand même. Oui, je l'ai dit, mais nous sommes obligés. Ils nous forcent la main de réfléchir comme eux. Et nous n'avons pas autre réponse que de répliquer farouchement. Comme je l'ai dit, cette guerre a beaucoup de tournures. Beaucoup de tournures. Et parmi les tournures, nous ne voyons que la tournure d'occupation de nos terres. Non. Il y a aussi d'autres tournures de nous faire taire, de nous museler. Et il y a aussi leurs cartes qu'ils veulent mettre en jeu. Mais je peux garantir aux gens que la carte de M. Kagame ne va même pas aboutir. C'est quoi la carte? Il a beaucoup de plans. Il a beaucoup de plans. Et vous en avez pas? Et parmi non, nous, notre plan d'abord, c'est la protection de notre territoire. C'est ça la principale. Pensez-vous que sans la population, mais ces Rwandais devraient être même à Kisangani, comme leur patron le disait. Les voyous là-bas, comme il le disait. S'il vous plaît, c'est un colonel. Vous savez, c'est lui qui réfléchit. C'est un colonel. Est-ce que... Non, vous savez, la voyoucratie, c'est quoi? Colonel. Vous savez, la voyoucratie, c'est quoi? Et c'est un professeur, c'est pas... même. Non, professeur. Quel professeur? Je vous dis. De l'RCD, peut-être. C'est un Congolais. C'est là où il s'est nommé massivement. Devenir des professeurs. L'octroi des périmètres miniers. Il s'est nommé même les médecins. Et autre chose comme ça. Un professeur, mais je ne vois même pas un professeur qui peut accepter, qui est ben de ça inutilement, et il s'appelle Congolais. Mais qui est ce Congolais de père et de mère qui peut accepter d'ôter la vie de ses propres concitoyens? Mais à un moment, nous devons respecter quand même la nationalité congolaise. Pour se faire attendre, il faut peut-être... Pour se faire attendre, il faut tuer les enfants, il faut violer les femmes massivement, il faut jouer la carte de Kigali. Tous nous sommes indignés. Tous nous sommes indignés. En commençant par le président de la République. Tous nous sommes indignés. Mais est-ce qu'il faut prendre les armes pour massacrer nos compatriotes, pour se faire entendre? Est-ce qu'il faut violer des petites filles pour se faire entendre? Je crois qu'il y a beaucoup de façons de se faire entendre. Mais aujourd'hui, les mouvements citoyens, mais ils sont entendus. Est-ce qu'ils ont un jour violé?
Est-ce qu'ils ont un jour pris les armes? Vous vous attaquez sous vos autorités aux policiers. Hein? On ne s'attaque pas à des manifestations. C'est faux, archi faux. Qui vous dit que nous ne sommes pas des amis avec les policiers? Mais nous ne sommes pas des ennemis. Ils font leur mission, nous faisons aussi notre mission. Mais on ne s'attaque pas à eux. Est-ce que nous, on manque des machettes? Non. Mais ils font leur boulot. Nous devons les interpeller. Vous devez faire votre boulot convenablement. Et nous aussi, nous devons faire aussi notre boulot convenablement. C'est pourquoi vous nous voyez avec des papiers, des stylos. Non. Point barre. Non, vous, c'est différent. Là, alors, c'est la politique. Non, c'est pas la politique de tuer les civils. Ce n'est pas une bonne politique. C'est une politique de la conspiration occidentale et rwandaise. Ah, mais non, quand... Non, nous devons, vous savez, je suis parmi les gens qui se battent et qui combattent contre le message de haine. Mais aussi, la meilleure façon de combattre tout ça, c'est de dire la vérité en face. Qui oublie que RCD, c'est pour les Rwandais. CNDP pour les Rwandais. M23A, M23B. Ce sont des mouvements congolais. Non. Les experts des Nations Unies l'ont prouvé. Non, ils peuvent mais, avoir attendez, un mais, soutien extérieur. Mais qui suis-je pour ne pas le dire? Qui suis-je pour ne pas le dire? Donc M23, selon vous... C'est un mouvement terroriste rwandais. Mais oui. Il peut y avoir quelques 5 aventuriers congolais de la dernière pluie, bien, je cite, je précise. Ça veut dire quoi? Les parvenus. Les citoyens préfabriqués. Puisque moi, je ne vois pas un Congolais digne de son nom, accepter d'être manipulé pour ôter la vie de ses compatriotes afin que ce que demande l'ennemi lui soit donné. Et les gens disent, non, nous défendons. Non. Eh mon Dieu, j'avais vu quand ce troubadour était arrivé à Kichanga. Et mon 23, tu n'as quoi à sauver? Vous allez sauver les citoyens dans leur propre territoire? C'est impossible. Et c'est pourquoi nous lançons toujours un message à ces brebis galaises, à ces marionnettes de Kagame, de se retirer dans l'urgence. Puisque le sang de nos compatriotes crie haut et fort. Est-ce que vous pouvez finir une émission sans pas avoir parlé le nom du président Kagame? Vous savez. Vous allez faire cet effort. Vous savez, mais je l'ai fait toujours. Prochainement, il faut faire cet effort. Non, lorsqu'on tient chez nous. C'est un chef de l'État. Non, lorsqu'on tient chez nous, lorsqu'on tient chez nous, je dois dire celui qui tue. Je dois dire les commanditaires de tout ce que nous avions déjà vécu. Plus de 12 millions de morts, c'est assez. C'est assez. Et nous devons dire son nom à tout moment. À tout moment. Nous devons le dire. Et tout haut. On finit cette dépêche de la Radio Okapi. Les mouvements contactés par Radio Okapi dénoncent cette méthode récurrente du M23 de massacrer des civils dans cette partie des Rutshuru, sans intervention des forces régionales déployées dans la région. Il faut préciser en tout cas que les personnes ont été tuées à quelques mètres de la base de l'EAC. Ouais. Et puis nous, on se demande... Quand les AC étaient venus, on nous disait non, ils vont, c'est pour le cessez-le-feu. Ils nous disent, j'avais suivi l'autre ici qui avait fui Jeff Nyaga, dire que non, d'ailleurs, les 1-23, nous avions fait les efforts, ils n'existent plus à Rutshuru. Mais si on les demande, ils sont cantonnés où? Ils ne savent pas. Et l'autre ici, l'homme qui l'avait remplacé aussi, il dit non, non, nous fournissons toujours des forts. D'ailleurs, il y a les camps qui sont en train d'être aménagés là où ils vont être. Et voilà, il tue à quelques mètres de leur base. Et quand nous disons que ces gens sont des partenaires, ils n'acceptent pas. Et la population, plus par entre eux, qui sont proches de ces voyous, ils n'acceptent pas. Et c'est pourquoi moi je dis, la victoire... Pour que la RDC puisse être la RDC qui révèle Lumumba, Kimbangu, Kimpavita et les autres, il faut que tous nous puissions participer dans cette guerre. Ça doit être une guerre populaire où tous nous devons prendre les armes pour chasser l'ennemi. Mais si on attend que ce sont les étrangers qui viendront nous sauver, là on se trompe. D'accord.
On finit par cette polémique. C'est une information, mais qui fait polémique. La RDC et les Kenya ont signé un accord de coopération militaire ce week-end. Les militaires kenyans, troisième sur la liste des puissances militaires africaines, vont former les militaires de FRDC, huitième puissance militaire en Afrique. Mais les premières unités sont en cours de formation déjà à Kisangani. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, a rendu visite à ces militaires qui bénéficient déjà de la formation. Pendant ce temps, la société civile acquise les militaires kenyans engagés dans la force régionale de l'EAC de collaborer avec les M23 dans les retours. En fait, vous savez, le sérieux problème est que... Oui. Le sérieux problème... Bon, premièrement, la coopération militaire, pour moi, ce n'est pas un problème. Pour moi, ce n'est pas un problème puisque ça ne dépend pas les troisièmes ou huitièmes, puisque nous voyons même les Ukrainiens être formés par les Américains. Nous voyons même les militaires américains faire des exercices avec les Allemands. Nous voyons même... C'est comme un dernier de la classe vient expliquer au premier. Nous voyons même les militaires égyptiens faire des formations avec les militaires israéliens. Vous êtes nafé à la faculté pour partir expliquer celui qui a distingué. Vous savez le sérieux problème, c'est puisque les gens aussi ont mal compris. La collaboration, vous savez, la collaboration ne se limite pas seulement à la formation. Non, c'est juste... Et là, ce sont des exercices de routine qu'ils font. Ce n'est pas une formation. Ce sont des exercices de routine. Toujours avec les Kenyans. Que vous acquisez, vous. Maintenant, le sérieux problème, c'est quoi? Ouais. Le sérieux problème est que c'est maintenant ces militaires kenyans qui sont venus dans le cadre de l'EAC, voyez-vous, qui collaborent avec les Rwandais M23. C'est là où les bas blessent. Donc, la question, les Kenyans que vous accusez de collaborer avec les M23, les mêmes Kenyans viennent vous former pour aller combattre les gens qui collaborent avec. Attendez, le problème, vous savez. Vous donnez quelle technique? Vous savez, non. Je vous dis, ce sont des exercices de routine. Je vous dis, il n'y a même pas de fou. Bientôt, le mois d'avril, je vais me rendre à Kisangani pour voir un ami. Ah. Mais je vous dis, ce sont des exercices de routine. Il n'y a même pas une formation classe comme ça. Vous savez combien de nos militaires qui sont à l'étranger pour des formations? Et encore, ce sont des formateurs. Ils sont où? Voyez-vous? Non, nous ne voulons pas dévoiler les secrets de la République. Merci. Voyez-vous? C'est que, je vous dis, l'EAC. Ils vont quitter le territoire congolais dissipé. Merci. Ils vont partir. Merci. Et nous demandons toujours à la population de bien suivre leur mouvement à la loupe, de ne pas céder. Ce n'est pas puisque nous sommes en opération avec eux, ce n'est pas puisque nous avons des coopérations avec eux que nous ne devrons pas suivre ceux-là qui sont venus. Et d'ailleurs, c'est puisque les gens ne comprennent pas quelle était la politique ou bien la carte que voulait jouer le chef de l'État. Attendons, nous allons voir les fruits d'ici là, puisque les États, ils collaborent, c'est sur base d'intérêt. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé sur Congo Live Télévision. C'est lundi. Espoir Mouinouka était là. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Bon début de semaine à tous et à toutes. Espoir, merci beaucoup. Merci.